Déterminer l'étendue et le milieu de l'étendue de la série de données suivantes. Alors on a, on a cette série-là, ce sont des nombres. Donc l'étendue, ben qu'est-ce que ça va être Ça va être en fait l'amplitude la, la, de la fourchette dans, dans laquelle se trouvent toutes les données. Donc en fait c'est la différence entre la plus grande et la plus petite valeur. Alors on a déjà on pourrait ré réorganiser les données comme on fait pour, quand on cherche la médiane hein, en les rangeant dans l'ordre croissant. Mais là on va regarder alors. La plus petite ici, ça semble plutôt, ça semble, on dirait que c'est celle-là, 65, est-ce qu'il y a quelque chose de plus petit que 65 Non. Donc ça c'est la plus petite valeur. Et la plus grande valeur, 81, 73, 85, 94, je pense que c'est ça. Hein, 94. Est-ce qu'il y, est qu y a une valeur plus grande que 94 Non. Il n'y a pas. Donc finalement, l'étendue, l'étendue... En statistique, ça va être la différence entre euh, la plus grande valeur et la plus petite valeur. Donc, ça va être ici, je vais, fait, je vais respecter les couleurs. Ici, la plus grande valeur, c'est 94 moins la plus petite, qui est 65. Alors, ça, 94. Alors, si c'était 95, 95 moins 65, ça ferait 30. Et là, en fait, il y a un de moins, donc finalement, c'est 29. Donc, l'étendue, c'est 29. 29. Et c'est exactement. Enfin, les données sont réparties entre ces valeurs-là, 65 et 94, et l'amplitude de, ce, de cet intervalle, c'est ce qu'on appelle l'étendue. Alors, c'est que ça donne quand même une idée de la dispersion des données, hein, puisque si l'étendue est très grande, ça veut dire que globalement les données sont très, sont très étalées. Hein, alors que si euh, l'étendue est très faible, eh bien, forcément, les données seront regroupées dans un espace plus petit. Hein, on peut le voir comme ça. Donc, elles seront moins dispersées. Voilà. Donc on peut dire ça autrement, hein. euh, plus l'étendue est grande, plus les données sont étendues, hein, pour reprendre le mot. Et plus l'étendue est faible, plus les données sont euh, resserrées, en fait. Hein. Alors, le milieu de l'étendue maintenant. Donc ça c'est un paramètre qui n'est pas très très souvent utilisé, mais il donne quand même une idée un peu aussi de la dispersion des données. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le milieu de l'étendue eh bien c'est euh, tout simplement en fait, euh, je peux faire un petit dessin, ça sera plus clair. Ici on a cette fourchette, hein, cet intervalle, ça c'est euh, l'intervalle dans lequel va se, la fourchette dans, dans lequel vont se situer les données. Ici, ça sera entre 65 et 94. Donc l'étendue, c'est l'amplitude la, de cet intervalle, et le milieu de l'étendue, bah, c'est tout simplement le milieu de cet intervalle. Hein. Donc en fait, ça va être la moyenne arithmétique des deux valeurs extrêmes. Hein. Alors je vais l'écrire ici. Milieu de l'étendue. Alors, c'est donc, ici on avait pris 14, 94 moins 65, là on va prendre la moyenne arithmétique, c'est ce qui va donner le milieu de l'intervalle. Hein. C'est 94 plus 65 divisé par 2. Alors, 94 plus 65, c'est fait. Alors si on avait 100... Plus 65, ça ferait 165, et il faut enlever 6, donc ça fait 159. 159. 159 divisé par 2, donc 150 divisé par 2, ça fait 75, donc là, en fait, il faut ajouter la moitié de 9, donc c'est 4,5, donc ça fait 175 plus 4,5, ça fait 79,5. Donc ici, 79,5, c'est le milieu de l'étendue. Et voilà, là on a deux autres paramètres hein, qui, qui donnent une idée de la dispersion des données. Et donc ce sont des paramètres qu'on peut utiliser, euh, qui sont différents de la moyenne. On, on pourrait aussi donner la moyenne arithmétique de ces données. On pourrait calculer la médiane de ces données. On pourrait déterminer le mode de ces données. Mais là on a euh, du coup deux autres paramètres hein, qui nous donnent une indication sur euh, les données.